viens dans cet état-là? Écoute, je suis à la Combe du Rat. Je suis en train de faire les labours. Mais écoute, je prépare les semis pour l'orge de printemps. Mais j'avais fini de labourer. J'avais fini ce tracteur. Le Société Française, il est tombé en panne. J'ai dû aller au garage, remettre du gasoil. Et j'ai pas pu le ramorcer. Je m'en suis vu. Écoute, ah oui, en effet. Donne-moi de l'eau. Oui, débarbouille-toi un peu avant le souper. Mais qu'est-ce que tu m'as préparé de bon, Adrienne? Un bon petit oreign. Ah, ça c'est bon. Passe-moi le pétard, Adrienne. Allez, va te réchauffer un peu auprès du cantou et moi je vais mettre le souper attrapé. Ah. Oui, Adrienne, tu sais, dans la Combe du Rat là-bas, c'est exposé plein nord. Et crois-moi, il fait pas chaud. Je suis gelée. D'ailleurs, dans ce cantou, on se gèle le devant et on se brûle le derrière. Adrienne, tu m'as fait... Qu'est-ce que tu m'as fait de bon après le tourain? Tu as du bon graillon, du boudin et la saucisse du voisin. Ah, je vais me régaler encore. Le tourain. Ah, un bon tourain, ça va me réchauffer, Adrienne. Allez, serre-moi. Un peu plus, s'il te plaît. J'en ai besoin. Il faisait tellement froid là-bas. Merci, Adrienne. Est bonne. Tu peux t'asseoir, Adrienne. Avec un peu de vin. Où tu l'as trouvée, ta piquette? Ma piquette? Mais c'est pas de la piquette. C'est Delmont, à la Primadonne. Ah. C'est-à-dire que je lui ai aidé à vendanger et il m'en a donné un petit peu. Disons... pour l'année, pour ma consommation personnelle. Ah, très bien. Avec les oignons, c'est un peu bon, hein? Il était bien bon, ce tourain. Cette piquette de Delmont, elle est bien bonne. Maintenant, Adrienne, un petit chabrol s'impose. Car je dois repartir encore finir de labourer la Combe du Rat. Et tu sais, comme mon grand-père me l'a dit, tant que tu bois ta cuillère, ça va pas. Alors il faut le soigner. Je crois que tu pourras revenir à la cave, Adrienne. Il n'y en a presque plus, voire plus. Avec cette soupe et ces oignons, un régal. Allez, tu peux me couper du pain, Adrienne? Ah, j'ai mon opinel dans la poche. Tiens, on va manger un peu de gâteau et du boudin. Que j'ai pris à Jean-Pierre Cabanel à Salviac. Ah, il va bien? Mais il va pas mal. J'y suis descendu hier matin avec la bicyclette. Ah. Il a l'air bien encore. Il est en forme, mais il n'est pas loin de la retraite. Ah, ben ça lui fera du bien. Oui, il a quand même travaillé un petit peu. Tu peux me couper un peu le boudin, Adrienne? Comme je te vois en train de le couper.
Cabanel, quand même, il fait de la bonne charcuterie. Hein. Est-ce que vous aviez un jardin? J'en avais même trois. La première des choses, il fallait travailler la terre. Bon. De la terre, on plantait soit des pommes de terre, des betteraves, on faisait des betteraves aussi, on élevait du bétail. On avait des canards, des poulets, des lapins, on produisait à peu près tout, sauf qu'on achetait le sucre, l'huile, le poivre, c'est tout, et le café, voilà. Tout le reste, on le produisait. Comment vous faisiez, enfin, comment vous vous occupiez de votre potager, de votre jardin? Eh bien, on le travaillait, on semait, il y avait des poireaux, on avait des pommes de terre, des salades. À l'époque, on faisait des fèves, des petits pois, des carottes, des choux. Est-ce que vous aviez des champs? J'avais des champs. J'ai 32 hectares. Et on cultivait du blé, de la branle, de l'orge. On faisait des betteraves, on faisait beaucoup de topinambours pour le bétail. Le matin, on se levait tôt, à 5 heures, on se levait. Et après, vers 9 heures, on déjeunait. Vous faisiez quoi en vous levant à 5 heures? Il fallait traire les vaches. On allait travailler dans les terres tant qu'il faisait bon, l'été. Il n'y avait pas de tracteur à l'époque. Vous aviez beaucoup de vaches? 4 ou 5, à peu près. Vous faisiez pas... Il y avait toujours un cheval. Dans chaque ferme, il y avait un cheval. À quoi il servait le cheval? Pour passer la binesse dans les vignes, pour les betteraves, pour tout ça. Pour arracher les mauvaises herbes, disons. Et comment vous entreteniez la vigne, les vendanges? Mais il fallait le travailler avec le cheval, pour nettoyer les herbes, ici et ça. Après, il fallait la tailler. Après, on vendangeait. Il y avait des voisins qui venaient, on s'entraidait un peu. C'était en quel mois, les vendanges? Et au mois d'octobre, septembre, octobre, à peu près. Qui est-ce qui était là pour faire le cochon? Ah ben, il y avait ma femme, il y avait ma belle-sœur, ma belle-fille. Le cochon, on le prenait, on l'assommait, et après on le couchait sur une mets, et on le saignait. Le saigner. C'est-à-dire, le saigner, c'est quoi? On lui mettait un coup de couteau, là, dans la gorge, pour le saigner. Et après, on récupérait le sang pour faire le poudin. On commençait à ranger la mets dessus et dessous pour pouvoir y mettre le cochon dedans. Il fallait le saigner. Et pour le saigner, il fallait être 4. Et en attendant, le cochon, il criait. Et des fois, ça faisait pas beau. Je me rappelle une fois, le cochon a manqué de nous échapper. Il était presque saigné, mais il est parti avec le couteau dans la gorge. Mais moi, ça m'est arrivé deux fois. Quelles sont les différences entre comment est-ce qu'on tue le cochon à votre enfance et jusqu'à aujourd'hui? Ben, l'enfance, bon, on l'assommait, puis alors là maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est pareil. Le cochon, on l'assomme, mais à la différence, on le met pendre avec un palan. Et quand il est pendu au palan, alors on le saigne. On le saigne pour récupérer le sang, pour faire le boudin. Et après, on ébouillante le cochon. On fait chauffer de l'eau, on le met dans une mets. Et on verse de l'eau bouillante dessus, et avec des raclettes, on le racle pour bien nettoyer le cochon, pour bien le nettoyer. Et qui était présent pour faire le cochon? Aujourd'hui? Oui. Ben aujourd'hui, il y avait le tueur, bien sûr, qui vient nous le tuer, et puis mon mari qui aide. On le mettait à la cave pour le maintenir au frais, pour le préparer le lendemain matin. On triait les morceaux d'un côté, de l'autre. C'est comme quand il me parle maintenant du boudin. Il parle que le boudin, il est bon. Oui, moi, je dis que le boudin qu'ils font maintenant, non, il est pas bon. Ça vaut rien. Oh non, c'est que du sang. Il n'y a rien que du sang. Tandis que nous autres, il y avait la tête pressée, il y avait un morceau de tête, il y avait un morceau de quelque chose. Oui, oui. En général, toute la tête, il passait. Oui, les oreilles, le museau. Le museau, oui. Tout. Et que maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a rien que du sang. On mettait ça dans... Alors, toi, disant qu'il est le meilleur. Et on faisait que dans des boyaux, quoi, des gros boyaux.
et on faisait cuire comme ça, dans un chaudron, enfin un grand chaudron, quoi. Et après, on faisait pendre pour les faire sécher. Et la saucisse, pareil, on mettait ça dans, dans une étable. Et pour que ça sèche. Pour que ça sèche. Mais nous, on est pendait dans la cuisine. On était organisés autrefois. Oui. On en met une pièce à côté. Oui, voilà. Esprit. C'est vrai. Ça, tout c'est... était pendu là. Ça. Oui, oui. Le boudin, après, il se fait quand on découpe le cochon. On prend la partie de la gorge qu'on fait cuire pendant 3 heures avec de l'oignon, des clous de girofle. On fait cuire pendant 3 heures. Et après, on fait le boudin, on prend les boyaux. À l'époque, on nettoyait les boyaux à la main. C'est-à-dire qu'il fallait aller au ruisseau et on raclait le boyau, on le vidait de son contenu. Et on nettoyait au ruisseau. Et après, on les rinçait et on faisait le boudin. Avec un entonnoir, tu mettais un bout de boudin, un bout de tuyau, et puis tu faisais ton boudin. Mais c'est-à-dire il fallait mélanger de la viande. Une fois cuite, tu découpes ta viande. On découpe bien la viande, salée, poivrée, de 4 épices. Et après, on enfilait dans le boyau. On faisait des petits boyaux, des petits boudins, et après on les faisait cuire, on les refaisait cuire dans de l'eau, sans la faire bouillir, bien sûr, parce que le boudin il allait éclater, et on faisait cuire pendant une heure. Même dans la saucisse, on faisait de la saucisse en grande quantité, on la pendait au plafond pour la faire sécher. Et la saucisse, tu prends de la viande plutôt maigre, on la passe à la machine, et après on met du sel, du poivre. On prend des boyaux, des petits boyaux, plus petits que le boudin, alors, qu'on enfile sur la canne de la machine, et puis on tourne, et puis on fait la saucisse. Avant, est-ce qu'il y avait les mêmes personnes, ou vous étiez plus? Disons qu'on était moins. Parce que et puis, maintenant, c'est vrai que ça a été beaucoup... Avant, quand on préparait le cochon, quand il était découpé pour faire le pâté, la saucisse et frites, on avait une machine à main pour tourner, une machine à main. Bon, maintenant, on a une machine électrique. Et tuer un cochon, enfin la préparation pour tuer un cochon, ça prenait combien de jours à peu près? Dans le temps, on mettait 3 jours pour faire un cochon. 3 jours, parce qu'on allait moins vite, on avait la machine à la main, on allait beaucoup moins vite. Et là maintenant, dans un jour, on prépare le cochon. Est-ce que vous aviez des arbres fruitiers? On avait des noyers, on avait des pruniers, on faisait la prune d'Agen, qu'on appelle la prune d'Agen, c'est la prune d'Ante. On faisait les pruneaux, voilà, c'est ça. Et avec les noyers, vous faisiez quel type de... On les vendait aux commerçants aussi, mais il y en a qui faisaient l'huile de noix. Gâteau aux noix. Des gâteaux aux noix aussi. Mais on faisait de l'huile de noix. Et pendant la guerre, pour faire de l'huile aussi, on faisait du tournesol. On faisait de l'huile de tournesol pendant la guerre. Et de l'huile d'olive, non? Pas ici, non. C'est dans le midi, plutôt. L'huile d'olive. Est-ce que vous aviez d'autres arbres fruitiers comme pommes, oranges? Oui, on avait des pommes, poiriers, c'est tout. Comment vous fabriquiez l'huile de noix? Oui, nous, on n'en fabriquait pas chez nous, mais ils avaient un pressoir et ils la faisaient chauffer et ça, en pressant, ça coulait l'huile. Bon, il la transformait, je ne sais pas comment, mais bon, j'ai vu un peu faire, mais pas beaucoup. Ils faisaient aussi les cidres avec les pommes. Est-ce que vous fabriquiez de l'alcool? De l'alcool? Oui, on fabriquait. Quand on avait vendangé, que le mou de la vendange, qu'il n'y avait plus de vin, qu'on avait soutiré le vin, on portait au bouilleur de cru qui se mettait au lavoir, là, à Salviac, au bord du ruisseau. Et donc, avec ça, ils faisaient de l'alcool. Et c'était réglementé aussi un peu. Alors, des fois, on portait des dames jeunes. Là. Et des fois, on en cachait une pour que. Parce que c'était contrôlé, tout était contrôlé aussi. Il fallait pas trop. Et il fallait faire attention à tout. On avait droit, mais certaines quantités. Qu'est-ce que c'était le bouilleur de cru? C'est celui qui transformait la vendange en eau de vie. Voilà. C'était un monsieur qui passait tous les ans, il faisait la tournée, il avait un alambic, il mettait du feu, hein, et puis ça montait en température, et voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous tuez le canard?
Comment tuer le canard? Oui. En général, c'est pas moi qui le tuais, mais en fait, c'était ma belle-mère qui tuait tout. Et pourtant, c'était une prieuse. C'était un pilier d'église. Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Il faut commencer déjà à boire la gaveuse. C'était cher, la gaveuse. Ça devenait plus cher que le canard. Essayer de se l'apprêter en faisant la tournée, quoi. Un jour pour tuer le canard, un jour pour les nettoyer, pour les... Ça ressemble à quoi? Comment dire? C'est un entonnoir. On vide le grain gonflé. On le vidait et on le faisait rentrer dans l'entonnoir. Et dans l'entonnoir, jusque-là, alors des fois, ça arrivait jusqu'à... J'étais à la limite. Est-ce que vous produisez d'autres foies ou d'autres magrets avec d'autres animaux? Avec des oies aussi, des oies. Expliquez-nous. C'était pareil, c'était aussi bon. Les foies étaient plus gros, voilà, c'est tout. Ça existe encore aujourd'hui, le foie d'oie? Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Et maintenant, c'est plus les mêmes élevages, c'est industriel maintenant, c'est pas... Ça a changé, beaucoup. Ils étaient à vous, les animaux? Ah non, ils n'étaient pas moi. C'était des cumas. C'est une cuma. C'est quoi la cuma? La cuma? C'est quoi? C'était une coopérative qui dirigeait beaucoup de paysans, quoi. C'est eux qui fonçaient les sous. C'était elles qui réglaient. S'il y avait des casses, s'il y avait... Tandis que nous, on s'occupait que de soigner et de regarder s'il y en avait quelques-uns qui étaient malades ou on faisait une piqûre. Combien vous en aviez de canards? Oh, ça n'en avait pas. Des fois, on en avait 25, 30. Des fois, on en avait plus. Ça dépend de ce qu'ils nous livraient. Est-ce que vous aviez d'autres animaux? D'autres animaux? J'avais des vaches. J'avais des moutons. J'avais des cochons. J'avais des poules. J'avais des canards. J'avais des dindons. On avait tout. Tout ce qui pouvait trotter, on l'avait. Qu'est-ce que vous faisiez avec le canard? Qu'est-ce que vous produisiez? On les levait tout petits, là, petits canards. Ensuite, on les gavait autour de Noël, à peu près au mois de novembre, on les gavait. Et c'est les grand-mères qui les gavaient souvent. Souvent les grand-mères. Puis après, on les tuait. Et on avait les magrets, les carcasses du canard, et le foie qui était la pièce principale, presque. Voilà. Vous faisiez des cuisses de canard aussi? Oui, d'accord. Oui, oui, les cuisses, le magret, voilà. Des coups farcis. Ah, des coups? Oui, farcis, oui. Avec la peau, on faisait un farci, voilà. D'accord. Oui. Ça existe encore aujourd'hui? Parce que ah oui, je pense, pas. Oui, oui. Je crois bien que ça existe toujours. Oui. Les confits, oui. Confits de canard. Comment est-ce qu'on le fait? Oh, c'est long à dire. Tu les partages là et tu coupes les confits, les os, le cou, tout ça, là, les ailes et tout. Et après, à l'intérieur, c'est là qu'il y a le foie. Et bien, avec la peau, on faisait des petits morceaux là et on les faisait cuire. On commençait par les os parce que c'était plutôt cuit que le confit. Ah, et le plus bon, c'était le foie. Mais bon, les magrets, c'était très bon. Comment est-ce que vous conserviez la viande de canard? On la faisait cuire dans un chaudron en cuivre, là, bien, dans la cheminée. À l'époque, c'était comme ça, la cheminée. Et puis ensuite, on la mettait dans des pots en terre cuite, et la graisse dessus. Et voilà, ça s'est conservé toute l'année. Vous faisiez la même chose avec la viande de doigt de lapin? Pareil. Ah, le lapin, non. Le lapin, on l'a tué au fur et à mesure qu'on en avait besoin. Est-ce qu'il y avait d'autres viandes que vous conserviez ou... Le cochon. Le porc. Il faut dire le porc ou le cochon? Le cochon. Expliquez-nous comment vous conserviez le cochon. Alors, les jambons, on les mettait au sel pendant un mois. Et voilà, bien couverts de sel. Et après, on les frottait un peu avec de l'alcool et du poivre pour éloigner les mouches. Et après, on les laissait sécher presque un an.
Un jambon? Oui, jambon. Ah. Et ensuite, il y avait des rôtis, il y avait le boudin, la saucisse. Vous le conservez pareil? Et sous la graisse aussi, oui, pareil. Et le salé, ce qui était les côtes, on le mettait au sel, dans une saumure, voilà. Vous mettiez ça dans quelle pièce de votre maison? Dans la cave, à l'époque, dans une pièce fraîche. Le jambon, ce qu'on faisait, c'est que le jambon frais, bon, on le mettait sur un linge, on le salait, on le poivrait bien comme il faut, on fermait notre linge, on attachait notre linge, et on le mettait dans de la cendre. Et ça, on le laissait pendant un bon mois, sous la cendre. Et après, on le ressortait, et on le lavait, on enlevait tout le sel, tout le poivre, et après on le faisait sécher. Maintenant, on le met dans un bac en bois, sur un lit de sel, on le recouvre bien de sel, et on le laisse 3 jours par kilo de viande. Et au bout de 3 jours par kilo de viande, on l'enlève, je le mets dans l'évier sous le robinet d'eau froide, je le rince bien comme il faut, je l'éponge, je mets de l'eau de vie, côté couane, mais côté viande, de l'eau de vie, je le poivre bien correctement, et on le met dans un fil à jambon, et on le met pendre dans une pièce au sec. Mais le jambon était plus dur que ça, parce que si vous le loupez, vous perdez le jambon. Parce qu'un jambon est vite perdu. Si vous ne salez pas de suite, pour le mettre en conserve, on le mettait dans des grandes toupines qui étaient hautes comme ça, et on mettait beaucoup de sel pour le conserver. Ça fait que tous les morceaux qu'on pouvait mettre au sel, on le mettait. Est-ce que le jambon, c'était une viande quotidienne ou plus une viande de fête, du coup? Le jambon. Oh non, quotidien. Pour déjeuner, le matin, c'est bon. Du jambon au réveil? Oui, c'est pas un café au lait à l'époque. Manger du jambon et du café en même temps? Ah non. Ah, vous mangez quoi au petit déjeuner? Le café, c'est à midi. Qu'est-ce que tu dis? Vous déjeuniez quoi, du coup, avant? Dans les campagnes, on faisait la soupe le matin. Et du jambon ou du pâté. Non, mais on n'a pas mangé tout le temps à notre faim, hein. Ça, les réserves de légumes, c'est pas bien, c'est pas embêtant, quoi, à faire, ni rien. C'est pas embêtant, mais c'est pas terrible. Et, ah, ça, c'est pas pareil, non, c'est pas pareil comme quand c'est frais. Non. Ça, c'est sûr, oui. Les légumes, on faisait des conserves dans des bocaux, qu'on faisait stériliser, donc on faisait des haricots, des petits pois et des champignons à la saison. Comment vous les mettiez en boîte? Eh bien, on les nettoyait bien, on mettait de l'eau et du sel dedans, et puis on les faisait stériliser pendant 2 heures au moins, facile. Dans des bocaux. Et vous les conserviez où après vos bocaux? J'étais dans une cave, un endroit frais. Et après vous les mangez quand? On les mangeait, oui, quand on voulait, l'hiver. L'hiver, parce que l'été, on les mangeait frais. La soupe, vous la faisiez cuire où? Dans une marmite en fonte. À la crémaillère, quoi, au feu. On faisait ça au feu, quoi, au coin du feu. On se chauffait aussi au coin du feu. Est-ce que vous mangez de la viande comme nous on mange actuellement maintenant? Ah non. De la viande, on a mangé, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine, même des fois pas. Surtout le dimanche, on a mangé. Quand on a bien envie de quelque chose, on allait chercher un poulet. Ou un canard. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était plutôt la chasse au gibier par ici ou c'était plutôt la chasse aux palombes? Il y avait les palombes, mais il y avait la chasse aux lapins et aux lièvres surtout. Si on en avait, on en mangeait. Si on n'en avait pas, on n'en mangeait pas, c'est tout. Il n'y en avait pas à l'épicerie ou au marché? Non, pas beaucoup, non. Non? Chez le boucher, peut-être. Chez le boucher, oui. Le lapin, c'était la viande la plus... La plus consommée dans les campagnes, oui. Les lapins qu'on élevait. Parce qu'il y avait le lapin sauvage et celui qu'on élevait. Vous éleviez des lapins? Oui, des lapins, des poulets, des poules, des oies, des canards. Vous pratiquiez la chasse? Ici, non, personne n'était chasseur dans la maison. Il y en avait qui pratiquaient la chasse. Mais nous, petits, quand on allait à l'école, on faisait des pièges pour attraper les griffes, les merles. C'était pas trop recommandé. Vous étiez enfant, vous faisiez des... On était enfant, oui. Vous vous amusiez? On s'amusait. Et le soir, quand on sortait de l'école, on passait voir sous les genièvres s'il y en avait, qui s'étaient pris sous leur piège.
Et après, on les plumait, à la maison, on les plumait. On les faisait cuire devant la flamme du feu, là. Ça faisait des brochettes, ça faisait. C'était bon. Des brochettes d'oiseaux ? Et oui, on avait inventé les brochettes à l'époque. Puis après, ça s'est arrêté parce que ça a été interdit. La chasse, comme ça. Les petits oiseaux, ça a été interdit. Est-ce qu'il y avait aussi des femmes qui chassaient ou c'était... Oh non, pas ici, non. C'était réservé aux hommes ? Oui. Ouais, où elles étaient rares, les femmes qui chassaient. Quand tu prenais dans la graisse, une cuillère de graisse que tu la mettais dans la soupe. Ah, mais... bien sûr, c'était pas l'huile dans la soupe. C'était pas. C'était du luxe, ça. Oh oui, ça faisait une bonne soupe. Vous l'utilisez pour plein d'autres choses, la graisse ? Oh oui. Ah ben oui, oui. Pour tout, pour de... En place de l'huile, tu mettais dans la graisse. Dans la graisse. C'est pareil. Nous, on fabriquait notre pain. Dans la campagne, on fabriquait notre pain. Dans un petit village comme ici, il y avait un four. Des fours privés, chacun avait son petit four souvent. Et au village, c'était un four communal. Avec quel ingrédient vous fabriquiez votre pain ? Avec la farine, qu'on faisait moudre au moulin. Est-ce qu'il y avait d'autres ingrédients que la farine pour faire du pain ? Le seigle. Mais le seigle, c'était pendant la guerre, ça faisait un pain qui n'était pas très bon. Il était noir un peu. Comment vous fabriquiez le pain ? On le fabriquait, on mettait du levain, qu'on faisait du levain, du sel, de l'eau et la farine, c'est tout. Vous mélangez après ? On le mélangeait, on le brassait à la main parce qu'il n'y avait, pas de pétrin à la main. Et on le laissait reposer pendant presque la nuit. Et le lendemain, on le faisait cuire au four. On faisait des petits pains. Nous, on était trois, avec mes frères. On en avait un pour chacun. C'était bon. Quand c'était tout chaud, là, c'était bon. Et le dimanche, c'était pas le jour de la semaine, c'était pas le jour de fête. Ah, les repas étaient pas plus, ils étaient plus copieux. Le dimanche matin, les vieux, ils allaient à l'église. À l'église, oui, la messe, quoi. Parce qu'il y en avait deux, en principe, messe. Ah oui, il y avait tout, quoi. Le matin. À 11h. À 11h, et après, même, il y avait les vêpres. Et qu'est-ce que vous mangez pour les anniversaires, par exemple ? Pour les anniversaires, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on avait sur la main. Et oui. Vous organisiez quoi comme fête pour les mariages ? Ah, et bon, il y avait toutes les familles, cousins, cousines, oncles, tantes, grand-père, grand-mère, des deux côtés, côté marié et de la mariée. Voilà, et puis il y avait un bon repas à midi, bon repas le soir. On dansait. Et qu'est-ce que vous mangez au repas du mariage ? Ah, tu veux voir le menu ? Oui. Sur la petite armoire, là, je crois. Ça vous commandait ? Non. À gauche. Tiens, regarde. Tu le lis, dedans. Oh, il y avait là. Alors, entrée. Potage brin d'amour. Frivolité. Qu'est-ce que c'est ? Frivolité, c'est des hors d'œuvre. D'accord. Périgourdine. Turban de foie gras. Friture de la Dordogne. Tout oui, ça. Des petits poissons, oui, d'accord. Civet de garenne. Voilà, c'est le lièvre. Alouette sans tête, sauce madère. Oui, ça c'est de la viande avec un petit farci dedans. Corbeille des mariés. Oui, c'est bien ça. Fruits de la saison. Gâteau sec et café liqueur. Tout ça ? D'accord, tout ça à midi. Et en plus, il y avait le repas du soir après aussi ? Oui, vers 9h ou 10h du soir. Ouais. Potage velouté. Poularde en sauce. Haricots verts, quêtres. Maître d'hôtel. Oui. Famille de poulets de grains, ça veut dire qu'il y avait plein de poulets. Des poulets rôtis, oui, voilà. Et après, en dessert, fruits au sirop, gâteau sec assorti et café liqueur. Il y avait tout ça. D'accord. Et là, il n'y avait pas de vin, le soir ? Oui, il y avait du vin, si. Ils l'ont oublié. D'accord. Et le soir, c'était un nouveau vin. Vous dansiez juste après avoir mangé ? Oui, après avoir mangé, on allait... Pour digérer, on allait à Fumel à l'escale, là-bas. Ou chez Joséphine Baker au Milan, on allait. C'était souvent la. Ah, vous allez souvent la sortie des mariages. Vous allez jusqu'au Milan, oui, 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 oui. C'était comme un semaine des voitures, j'avais. Il y avait des voitures déjà. Pas beaucoup, mais il y en avait. Et quels étaient les repas qui revenaient ? Oh, moi, non, ça dépendait. Les miques levées, elles nous faisaient souvent. Les miques levées ou les miques de pain. Vous la faisiez, vous, la mique ? Non, c'est maman qui la faisait. Ma mère. Oui. La mique comment ? La mique levée, la mique... La mique levée. Et vous en mangez toute l'année de la mique ? Oh, le dimanche. Et ça vous changeait de la semaine. On avait tué le cochon et tout. Ah, mais
il fallait bien s'en servir. Nous, de on en avait un pour vendre et l'autre pour garder. Et bien voilà. Voilà. Voilà ce qu'on faisait, oui. Alors, pour le petit salé de cochon, c'était des côtes, des petites côtes, qu'on mettait dans une toupine en grès. On faisait une chaussette, une grande chaussette, qu'on remplissait de sel. Et on bâtissait notre viande tout autour de la chaussette. Et tous les jours, pendant 40 jours, la viande, on mettait de l'eau et prenait le sel qu'il fallait. Et au bout de 40 jours, en principe, ça ne prenait plus de sel. Et on disait que le petit salé était prêt à l'emploi pour faire la mique. Que maintenant, bon, on ne fait plus pareil, on le met plutôt au congélateur. Et après, quand je veux faire la mique, je sors du congélateur 2 jours avant, je le sale bien comme il faut, et au bout de 2 jours, le petit salé est prêt à faire la mique. Alors pour faire de la mique, il faut commencer par avoir de la farine, de blé. Est-ce que vous pouvez nous donner les quantités approximatives ou pas, si approximative. Alors ce matin, j'ai mis 2 kg de farine, à peu près, de farine de blé. Après, il y a 2 paquets de levure de boulanger, d'accord, que j'ai fait fondre dans un peu de lait pour que ce soit bien délayé. Après, j'ai mis une douzaine d'œufs. Voilà, une douzaine d'œufs. Après, une petite cuillère de graisse de canard pour améliorer le goût, disons. Voilà, après, et de l'eau après, voilà. Et on pétrit pendant 10 minutes, à peu près un quart d'heure. Et pour faire les accompagnements, les légumes et la viande, vous utilisez? Eh bien, du petit salé, comme viande, il y a du cochon, du petit salé, 2 ou 3 kilos à peu près, quelque chose comme ça. Après, il y a des carottes, du chou, des poireaux. Donc on met une houle à chauffer sur le feu. On laisse cuire la viande et les légumes pendant 2 heures, au moins, 2 heures et demie. Et après, il faut mettre cuire la mique, mais il faut laisser lever la mique d'abord pendant au moins 3 heures, minimum. Et après, on met la mique dans l'houle pour la faire cuire. On va laisser cuire pendant 1 heure. Et voilà. Et après, une fois qu'elle a cuit pendant 1 heure, on la sort pour la manger. Cet ancien temps qui nous fera encore danser, tous les voisins se rassembler pour cette magnifique journée. Les pieds coupés, les pieds frappés, le fléau autour et battait les blés. C'est l'ancien temps qui nous fait rêver, cet ancien temps qui nous fera toujours passer. C'est l'ancien temps qui nous fait avancer, cet ancien temps qui nous fera encore danser. Bon, on travaillait la terre avec des bœufs à l'époque, donc on semait notre blé au mois d'octobre à peu près. On le récoltait au mois de juillet. Et quand les moissons étaient finies, ma mère elle nous faisait toujours une jolie tarte avec des prunes ou des pruneaux. C'était la fin, non, mais c'était la fin de la moisson. C'était une petite fête. C'était fini. Voilà. Et après le blé, on le dépiquait dans la cour. Il y avait une machine qui venait. On était tous les voisins réunis, une 20aine peut-être. Et après le blé, on faisait la farine. Je te dis, on allait au moulin, on faisait la farine et on faisait notre pain. Quotidien. Quotidien. Donc c'était la fête, c'était entre guillemets la fête des moissons, la fête. Et c'était un peu la fête, oui. Au mois d'août, là, tout le monde se réunissait pour s'entraider. Voilà. Vous faisiez ça par petits villages de Rensalviac, entre lieux-dits, vous faisiez oui, la fête. Oui, c'est ça. D'accord.
Vous la faisiez dans la, enfin, vous la faisiez plutôt dans la cour. C'était on les piquait dans la cour et ensuite le repas c'était à la maison, à l'habitation ou des fois l'été sur la terrasse. Il fallait avoir la place alors. Hein. Sur la terrasse ou dans un hangar, voilà. Quand la fête des moissons, il y avait toujours la soupe, il y avait du pâté ou des salades de tomates, des œufs durs, tout ça. C'était... Et ensuite des haricots verts, du poulet, du fromage et des beignets à l'époque. Voilà. Est-ce que les enfants aidaient à préparer à manger ou c'était les adultes qui préparaient tout pour la fête ? Mais c'est les adultes qui préparaient, mais les enfants, on aidait un peu. À éplucher les légumes, tout ça. On rendait service. Vous organisez quoi pour Noël ? Pour Noël, on faisait, si on avait des foies, on faisait un foie, on faisait du saumon, on aimait bien le poisson et le saumon. Et puis après, je ne sais pas, légumes, des champignons, si on en avait. Des champignons qu'on mangeait. Est-ce que vous faisiez des pâtisseries ? Oui, je te dis, quand on avait cuit notre pain, ma mère faisait un gâteau, là, c'était bon. Le boulanger, il faisait que du pain ou il faisait aussi des millefeuilles Ah oui, il faisait de la pâtisserie, le boulanger. Du coup, c'était... Il était un peu pâtissier. Boulanger, pâtissier, il était un peu. Et à Pâques, il y avait la coque de Pâques. Pour l'épiphanie, il y avait la couronne, la galette. Est-ce que la coque, elle a changé d'aujourd'hui à avant ou pas? Non, elle est toujours bonne. Est-ce que vous faisiez aussi la fête des crêpes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, pour carnaval. La chandeleur. La chandeleur, oui. Les crêpes et les beignets. Partagé. Il y avait la fête votive aussi, dans le village. C'était une fois par an, à chaque village, comme Salvia, Casal, tout ça. Donc on invitait les cousins, souvent, parce que... Après, eux, ils nous invitaient pour aller chez eux. Voilà, c'était la seule façon qu'on avait de sortir à l'époque. Qu'est-ce que c'était la fête votive? C'était la fête patronale, comme Salvia, c'est Saint-Jacques, la fête Saint-Jacques. Voilà. Et vous faisiez quoi cette fête? C'était quoi le thème? Un bon repas. Et puis il y avait la fête, il y avait les balles, il y avait la musique, les manèges, les montagnes russes à l'époque. Il y avait quoi comme montagne russe à l'époque? Mais c'était un manège, là. Et il y avait les chahuts-cars toujours. C'était les voitures tamponneuses, là. Il y avait aussi... Ça existe toujours. Oui. Il y avait aussi le petit manège pour les enfants. Oui, toujours, oui. Il n'y avait pas les pêches aux canards et les tirs à la carabine? Si. Quand on tuait le cochon, il se faisait la fête du cochon. C'est-à-dire, bon, on tue le cochon, et le soir, en principe, on découpait le soir ou le lendemain matin. Et quand on l'avait découpé, eh bien, on faisait cuire du boudin, et on faisait cuire, on appelait ça de la fricassée, des morceaux, des tranches de cochon, la fricassée, qu'on faisait cuire. Et tout le monde se mettait autour à table, on était une dizaine, une douzaine à manger du cochon. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, beaucoup moins. Vous faisiez pas une fête pour les vendanges ? Oui, des fois, si. Les voisins venaient. C'était une fête pour les jeunes, on s'amusait bien. C'était gai. On était un peu chacun chez soi, on se réunissait quand il fallait, s'il y avait pour aider. Mais je te dis, les jours de fête, si... il y avait toujours un couvert pour un passant, un peu égaré, un pauvre, qui pouvait passer. Des fois, il passait pas, personne ne passait. Mais c'était un cas, voilà. Et qu'est-ce qu'on faisait plus? Et à la campagne, on donnait pas mal, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de bêtes, qui n'avaient pas de ci, ça. On donnait des petits fromages. Vous entraidiez les uns les autres? Oui. On donnait des petits fromages, quand on tuait le cochon, on donnait un peu. Est-ce que pour faire plaisir, oui. Vous trouvez que ça a beaucoup changé de l'époque à maintenant?
d'entraide. C'est plus la même. Maintenant, on n'a pas besoin, il y a les machines qui ont remplacé l'homme. Maintenant, c'est plus poétique, on n'est plus du temps de Victor Hugo. C'est l'ancien temps qui nous a fait rêver, cet ancien temps qui nous fera toujours valser. C'est l'ancien temps qui nous fait avancer, cet ancien temps qui nous fera encore danser. Au petit matin, je me levais, travailler dans les champs de blé, avec Pépé, peine de gaieté, et des nausées à moissonner. Tout l'ancien temps qui nous fait rêver, c'est l'ancien temps qui nous fera toujours valser, c'est l'ancien temps qui nous fait avancer.